Salut à tous, c'est le Corbloc. Salut, c'est Feraslan. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un mini épisode pour vous présenter un update, oui, du texture pack fait par notre ami Feraslan. Tout à fait, encore un. Et ça, ça fait plaisir. Ouais. Je vais me remettre comme ça. Alors, il s'agit là d'une update. Attendez que je me mette appuyé 5 ou 6 fois sur F5. Une update de couleur des laines. Ouais. Alors, les laines qui sont présentes ici, vous les reconnaissez, il y a peut-être juste le jaune ici présent que je ne. Le jaune. Pas vraiment, vraiment jaune pétant, quoi. But... Oui, il est plus sandstone, camel, tu sais, la couleur des paquets camel. Ouais, il se rapproche de la sandstone. Parce que le jaune pétard, franchement, on l'utilisait jamais, hein, c'est trop, trop flashy. Et d'ailleurs, que ce soit pour le jaune qui a vachement changé, toutes les autres couleurs, elles sont moins flashy en général. On les a un peu plus les a pastellisés. Alors on va passer du jaune de l'autre côté jusqu'au violet. Le vert foncé, pas trop changé mais moins flashy. C'est celui qui a le moins changé. Ouais, c'est celui qui a le moins changé et grosso modo il a juste un peu assombri un petit peu sa couleur. Le vert anis qui est vraiment la couleur qu'on avait à une époque qui nous plaisait. Ouais, ça c'est lui, on l'a désaturé, on a remis un poil de jaune dedans pour l'anisifier en gros. Ouais, c'est ça. Mais non, du coup ça va mieux pour faire des pans de mur ou tout ça. Enfin quand je trouve que l'autre il était vraiment il pétait, ouais, quoi. Il faisait mal à la rétine. Exactement. Donc du coup ça va mieux pour faire des murs. Je l'ai testé, tout ça, ça va bien. Le bleu a vachement changé. Le bleu foncé. Ouais, alors vachement, je sais pas, mais en tout cas, ouais, il a plus une teinte bleue... Pétrole ? Je sais pas. Bleu roi, alors que l'autre, c'était vraiment bleu, la couleur primaire bleue, quoi. C'est le drapeau de l'Europe, quoi. Le bleu clair est un vrai bleu clair. Ouais, lui, il a pris une teinte ice, un peu glace, alors qu'avant, il était vraiment... Un peu pétant, quoi. Il faisait bleu ciel avant. Alors là, il est plus ice, ouais, plus glace. Et le violet, pareil, est moins pétard, moins violet pétard. Un peu plus mauve. Un peu plus mauve, ouais. Et moi, j'aime bien, du coup, comme ça. Donc, de toute façon, le pack, tu vas le mettre en téléchargement sur le blog. Ouais, normalement, si je me suis pas trop mal démerdé, je l'ai déjà uploadé sur le blog, donc vous pouvez aller dans le lien qui s'affiche maintenant sur votre écran, ou alors dans la description. Ouais, dans la description de l'épisode au moins. Et puis de toute façon, vous cliquez comme d'habitude hein, sur le blog, sur nos pages principales de nos chaînes, et puis vous allez toujours dans le pack de texture, et puis c'est comme d'habitude. Et alors, juste une précision, alors, oui. C'est toujours un pack de textures 1.4.7. Ah oui, toujours. Hein. Pourquoi ? Alors, parce que. Tout simplement parce qu'il n'y a pas encore. Et moi, je ne remettrai pas le serveur. Je suis en train de faire le con, mes abonnés doivent dégobiller devant leur écran. Il n'y a pas encore de pack de version recommandée de Bucket. Pour Minecraft 1.5.1 ou 1.5.2 parce qu'elle est sortie aujourd'hui. Ouais. Il n'y a que des versions bêta et j'ai pas envie de passer le serveur sur une version bêta parce que voilà, moi j'en ai pas envie, c'est plein de bugs. C'est stable, ça risque de faire chier, déjà que le serveur est pas non plus... Donc voilà, au diable les versions bêta, je ferai le pack de textures en 1.4.5 et je m'y intéresserai, je regarderai ce que vaut la 1.5 que quand il y aura une version stable de Bucket sortie. Voilà, ça c'est dit. Et petite avant-dernière nouvelle, on va vous donner alors le résultat du battle, du vote des abonnés. Vous vous rappelez que sur le dernier épisode du battle, le final, la tombée du mur, on vous avait dit de voter pour la maison que vous préférez. Et du coup, les résultats de ceux qui ont voté, donc, mettent Feraslan gagnant. Bravo. Poulap. Et Feraslan a gagné donc 40... je sais plus combien t'as dit. 42 à 28. Voilà, 42. Après, vérification de Maître de Fontenay, 8 justesse à Martigny en Bareuil. Ferra a gagné donc 42 à 28. Et pour ce qui ressortait souvent... parce que j'ai regardé un peu chez Ferra ou chez moi, ce qui ressortait souvent, c'était que l'aménagement intérieur de Ferra était... L'utilisation de l'espace était mieux utilisée, que l'aménagement intérieur était mieux géré. Et ce qui a pesé dans la balance pour Ferraslan.
Après, surtout. Grosso modo, moi, on m'a souvent dit que ta maison était. L'extérieur avait vraiment de l'allure. Ouais. Ouais, merci. Alors après entre pour les extérieurs, c'était vraiment une histoire de goût. Bon, j'ai envie de dire. Pour l'intérieur, c'était vraiment l'aménagement de l'espace. Là, c'était pas une histoire de goût. Du coup, c'est ça qui a fait pencher la balance de ton côté. Donc, du coup, Ferra a gagné un voyage au Mexique. Tout à fait. Payé par Corbloc à 2000 euros aller-retour avec sa femme. Exactement. Donc, vous m'avez délesté. Mon petit cousin, mes bonsaïs et mon chien. Et merci, vous m'avez délesté de 2000 euros voilà, sur cette affaire. Non, pas encore. Et d'ailleurs, en parlant de battle, dans les commentaires, on nous a demandé je sais plus parler français moi. S'il y allait avoir. C'est français ça? Oui. Oui, s'il y allait avoir. S'il y allait avoir de nouveaux battles, oui, il y aura un nouveau battle, mais alors pas tout de suite. Alors ça sera un battle flac. La réponse est oui, mais. Mais pas tout de suite. Oui, ça sera un battle flac. Donc Ferra, le Corbloc Orige, Catalion. Le petit problème, c'est que Catalion a des soucis de PC en ce moment. Il a pas mal de soucis de PC, donc il ne peut pas jouer. Il a même pas son PC, je crois, encore avec lui. Donc on va attendre que Kata récupère un PC potable. Et puis on fera ce battle tous les 4 qu'on arrivera à trouver 4 à 5 heures d'affilée ensemble. Je vous en dis pas plus sur le thème, ce qu'on va faire, quel genre de construction ou quoi, parce qu'on n'en est pas sûr, mais on a des idées. Voilà. Donc oui, il y aura un futur battle à 4. Et ça pourrait être cool. Ouais, tout à fait. Ça, on sait pas où ce sera, sur quoi ce sera, mais on est en train d'y penser, oui, on est en train d'organiser la chose. Il y aura quelque chose. Donc sur ce, j'espère que vous allez. Bah Alors je sais pas s'il y a possibilité qu'ils gardent l'ancien. Bah oui, ceux qui veulent l'ancien texture pack, c'est mort. Non, je peux faire une. Je peux faire une mise à jour sans écraser la précédente. Bon, bah, coup de doigt. S'il y en a qui veulent garder l'ancien texture pack. En tout cas, moi, j'ai essayé avec justement des pans de mur. Avec le vernis, par exemple, ça va super bien pour le moderne, avec la neige. Le jaune, le nouveau jaune est excellent pour des sols, pour les façades, hein, puisque comme ça se rapproche de la sensation au niveau de la couleur, Ferra l'a déjà testé. Je vous montre juste sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Cette maison, du coup, le jaune, au lieu d'avoir un jaune criard, eh ben, on a un jaune qui se rapproche de celui de la sandstone, et donc pour des piliers, pour des encadrures, pour des et du coup c'est pas mal des montants, des parois, c'est ça marche bien. Moi ça, du coup je l'utilise alors qu'avant je l'utilisais pas. Bonjour à toi abonné qui vient de se connecter sur la Dynamap. Bonjour. Et du coup ben voilà, ce qui est sympa c'est que c'est pas la même texture que la sandstone, hein, ça reste de la laine et ça c'est sympa parce que c'est moi j'aime bien. Bon, bref, pour la construction moderne vous le savez. Voilà, ça fait pas pierre quoi, c'est une pierre feuille ciseaux. Exactement. Et du coup, cette maison est dans un nouveau quartier qui se situe de l'autre côté du lac que Ferra a commencé à aménager. Et donc, il y aura des petites maisons ici. Vous verrez plus tard, il y aura un épisode de visite des news quand il aura bien avancé. Bon, ben sur ce, je crois qu'on a tout dit. Il me semble, le résultat concours, les laines, le futur battle à 4, bah voilà, je crois que c'est fini. Mais écoutez les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode, que vous allez aimer ces nouvelles laines, testez-les chez vous, et ou continuez à nous envoyer des maisons, le concours du mois est toujours en cours. Jusqu'au 20 mai, les maisons 20-25, continuez à les envoyer en 1.4.7, essayez de faire vos maisons en 1.4.7, sinon il y aura des bugs au niveau des blocs. Tout à fait. Et pour les cinémas, j'ai envie de dire, travailler d'arrache-pied parce qu'on en a reçu quelques-uns et il y a du niveau. Ah oui, on a reçu des cinémas. Et on a encore reçu aujourd'hui, si je ne m'abuse. Ouais, moi quand j'avais vérifié au début de semaine, on était à 3 cinémas et il y en avait un notamment qui m'avait bien tapé dans l'œil. Ouais, ah oui, je me rappelle. Je ne dis pas qui c'est. Je me rappelle. Donc sur ce, bah écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures de Minecraft. Ciao. Ciao tout le monde.